t'es bien. Moi, je suis bien. Eh oui, les amis, c'est reparti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce début de vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il a fallu qu'on sèche les andins après les gros cumuls d'eau qu'on a eu. Pour ce faire, deux techniques, l'aérateur et l'endenneur à tapis. Je dirais que cette fois-ci, vu les gros cumuls qu'on a eu, l'endenneur à tapis était beaucoup plus intéressant car il nous permettait de décaler l'andin de la zone humide. Les amis, regardez, on est sur une parcelle d'orge. Voilà, je viens de la finir. Ça, c'est mon boîtier. Vous inquiétez pas pour l'humidité, c'est juste un capteur, il est mal étalonné. J'ai une sonde à main juste ici qui est beaucoup plus fiable que ça. Ça, c'est juste un indicateur. Je tourne 170-180 bars. Je sors du 460. Regardez la moyenne de la parcelle, vous allez rire, 460 kg avec une HDP2. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est juste pour rassurer tous les gens qui se posaient des questions sur leur machine, sur les chauffeurs, etc. C'est pas de la faute de la machine, c'est pas de la faute du chauffeur. La paille d'orge est très longue, très volatile et on a du mal à la serrer cette année. On attaque les blés. On a pris quelques millimètres ce matin, donc on vient seulement de partir. Si toutes les parcelles sont comme ça, ça promet. Déjà dit, le traiteur en saison, pouah, pas de prix, tu rentres, blam, trop bien. Les amis, on va changer de parcelle, je vais vous montrer notre application qu'on utilise. C'est l'application que je vous mets en avant depuis longtemps, c'est l'application qui a fait les t-shirts avec moi l'année dernière. Donc là, nous on est ici, dans cette parcelle là, voilà, là on l'a mise à ramasser pour les gars, on sait qu'il y a 234 bottes dedans. Et nous maintenant, on va aller faire la parcelle 119, c'est une parcelle de 9 hectares, aller au statut à presser. Voilà, là je peux lancer un itinéraire et ça va me le lancer sur Google Maps. Je vais choisir celui-là.
refait snapper par le passant en Berlin. Et là, j'ai lancé mon itinéraire avec Google Maps. Attention, ça reste du Google Maps. S'il y a des ponts, des croisements, etc., c'est pas notifié. Voilà, c'est pas une vérité générale, hein, un petit peu comme tous les GPS qu'on utilise en voiture. Mais par contre, ça nous permet d'arriver au point GPS de la parcelle. Et on se retrouvera là-bas juste pour discuter un petit peu des possibilités qu'on a sur l'application. À toutes. Donc là, je viens de finir la parcelle. Dessus, je vais changer le statut. Je vais la passer à ramasser. Ça va envoyer une notification au ramasseur, comme quoi on a fini cette parcelle. Et dessus, les trois presses vont rentrer leur nombre de bottes. Pour ma part, 31. Okay. Après, vous avez vu, il y a qualité, format, type de coupe, le poids moyen, etc. Nous, on s'en fiche un petit peu de ça, mais si vous en avez la nécessité, vous avez l'option. Et regardez, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a un historique des bottes enregistrées. Par exemple, moi je l'ai rentré, j'ai la date, l'heure, le nombre de bottes, le poids moyen, la qualité, etc. Comme je vous l'ai dit, le poids moyen, la qualité, on s'en sert pas. Par contre, j'ai mon nombre de bottes pressées avec le jour et l'heure. Et ça, c'est super intéressant pour le suivi de chantier. Et toutes ces informations que vous allez rentrer sur les parcelles, vous les retrouvez sur l'application web. Et l'application web vous permet de faire des exports Excel par client, par parcelle, par culture, etc. Donc voilà, là je vous ai un petit peu présenté plus que d'habitude l'application. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description du site. Vous avez toutes les coordonnées de la startup. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter. J'ai mis les numéros des parcelles sur la combe. Du coup, je vous disais, on peut faire les exports, etc. Et... Une petite bière Pio. C'est le petit moment des ficelles, comme tous les jours, avec le grand, tranquille. Quand t'es obligé de slalomer entre les plateaux, ça sent la fin de saison. Encore quelques jours et ce sera plié.
let's go. Bah let's go, entre les gouttes, parce qu'il y a plein d'averses orageuses, comme ils les appellent. On est passé à travers toute la saison, j'espère que ça va durer jusqu'à la fin. Il y a plus de 10 mm, il nous reste 50 hectares de pressage à faire. Donc bah on va attendre que ça sèche avant d'y retourner. Et puis là on ramasse les quelques bottes qui traînent à gauche, à droite.